DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La dernière nouvelle en sport, RDC Ukraine en amical international. À partir déjà du 26 mai en Belgique, ça sera bien sûr à Bruxelles. Cette rencontre va donc permettre aux Léopards de la RDC de bien préparer leurs deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. L'annonce a été faite à Top Congo FM par le secrétaire général adjoint de la Fédération Congolaise de Football Association, Patrice Régnier Manguinda, qui a indiqué que c'est grâce à l'agent FIFA, José Ntumba, que la RDC a réussi donc à arracher cette rencontre amicale face à l'Ukraine. Ça sera la première rencontre amicale de cette sélection ukrainienne après bien sûr ces combats qui se déroulent dans leur pays. On écoute Patrice Régnier Manguinda. La fédération ukrainienne nous a écrit, a donné son accord de principe pour un match amical contre la sélection congolaise à Bruxelles en Belgique. Cette équipe qui vient de quitter la compétition des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je suis tenté de vous poser la question, comment s'est passé le contact avec la Fédération ukrainienne? Bon, comme vous le savez, nous avons l'idée de promouvoir les intelligences nationales, congolaises, locales. Cela est venu par José Ntumba, qui a été nommé récemment team manager des Léopards Chan. Partant de cette position, il a aidé ses contacts. Vous savez que José, c'est un agent, un intermédiaire qui est expérimenté à travers ses contacts. Il a pu négocier cela. Aujourd'hui, la lettre est tombée. La fédération ukrainienne est d'accord pour jouer à la RDC. Donc, c'est un début de collaboration que nous croyons positive et bénéfique pour le pays. Pour être un peu clair, donc, le rassemblement aura lieu à Bruxelles. Le match se joue et puis tout le groupe descend à Kinshasa pour le match contre le Gabon. Nous tendons vers cela. Voilà, c'était la Patrice Régnier Manguinda, secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football. Association, je le disais, que ce match devra donc permettre aux Léopards de la RDC de bien préparer leur entrée dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Quelques jours après, ils devraient jouer les deux premières journées du groupe I entre le 30 mai et le 14 juin 2022. La RDC va donc démarrer à domicile avec la réception à huis clos des Panthères du Gabon. Et les hommes d'Hector Raoul Couper vont donc défier une sélection ukrainienne, je le disais, qui n'a plus joué depuis les violents combats qui opposent le pays à la Russie. Et place, bien sûr, au bilan. C'est vrai qu'après l'élimination de la RDC au barrage du Mondial, Hector Raoul Couper n'avait plus eu des discussions avec le staff ou encore le comité de la Fédération Congolaise de Football Association. Le technicien argentin est de retour au pays. Il a eu une réunion ce mercredi au siège de la FECOFA avec l'ensemble du comité de l'organe fêtier de football en RDC. Cooper a reconnu que c'est lui le premier coupable de la débâcle de la RDC dans les éliminatoires du Mondial. Maintenant, il faut regarder de l'avant pour bien préparer les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. On écoute les techniciens argentins. 36 jours après l'élimination de la RDC au barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 à Casa face au Lyon de l'Atlas du Maroc, le sélectionneur principal de la nationale, l'Argentin Raoul Hector Couper, dont le contrat avec la RDC a été renouvelé, s'est entretenu ce mercredi 4 mai 2022 au siège de la FECOFA avec le comité exécutif de l'institution fêtière du footballeur du Congo. Dans une atmosphère apaisée, les deux parties ont évalué les parcours de la RDC et se sont projetés sur les événements à venir, notamment les matchs face au Gabon comptant pour les éliminatoires Côte d'Ivoire 2023. Pour ce faire, le coach Raoul Hector Kipper s'est dit satisfait de repartir sur de nouvelles bases avec la nation de Lumumba. Commençons et on a parlé un peu de tout. C'est une réponse
On a fait une révision sur tout ce qui s'est passé auparavant ici. Et des bonnes choses et des mauvaises choses et des choses que nous devons améliorer au fil du temps. Et les deux matchs d'éliminatoire direct. Mais sûrement, tout le monde a des opinions. Le plus important est que les choses que nous avons faites qui n'ont pas été bien et que nous pouvons corriger ça pour le futur. Tout ce qui vient maintenant est l'éliminatoire à la Coupe d'Afrique. Et c'est d'apporter des petites choses et pour pouvoir améliorer. Pas seulement les résultats, mais le résultat à la fin c'était pas bien, c'était mauvais, mais parce qu'on ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Mais c'est-à-dire les matchs passés aussi antérieurs c'était pas mauvais. Voilà, on est venu jusqu'au play-off. Mais je veux dire qu'il y a des choses que nous avons bien fait. Mais le dernier match, moi je suis le premier responsable sur les choses que nous n'avons pas bien fait. Et en plus, moi je vais rester ici quelques jours pour pouvoir parler et évaluer des choses et qui peuvent nous donner la qualification pour le futur. Quoi. Tout en retenant les côtés positifs de son parcours avec le Léopard, Raoul Hector Cuper promet quelques modifications au sein de la team 243 Moulungé. On doit regarder tout ce que nous avons fait depuis le début. Commençons et on a parlé un peu de tout. On a fait une révision sur tout ce qui s'est passé auparavant ici. Et des bonnes choses et des mauvaises choses et des choses que nous devons améliorer au fil du temps. Et les deux matchs d'éliminatoire direct. Mais sûrement tout le monde a des opinions. Le plus important est que les choses que nous avons fait qui n'ont pas été bien et que nous pouvons corriger ça pour le futur. Tout ce qui vient maintenant est l'éliminatoire à la Coupe d'Afrique. Et c'est d'apporter des petites choses et pour pouvoir améliorer pas seulement les résultats. Mais le résultat à la fin c'était pas bien, c'était mauvais. Mais parce qu'on ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Mais c'est-à-dire les matchs passés aussi antérieurs, c'était pas mauvais. Voilà, on est venu jusqu'au play-off. Mais je veux dire qu'il y a des choses que nous avons bien fait. Mais le dernier match, moi je suis le premier responsable sur les choses que nous n'avons pas bien fait. Et en plus, moi je vais rester ici quelques jours pour pouvoir parler et évaluer des choses et qui peuvent nous donner la qualification pour le futur. Quoi. Voilà, c'était là Hector Raoul Cuper, le coach argentin et sélectionneur principal des Léopards de la RDC. Toujours ce mercredi au siège de la FICOFA, il faut signaler qu'il y a eu une première réunion de prise de contact entre le comité exécutif de la FICOFA, représenté par son secrétaire général belge aussi, Toitala, la direction technique nationale et tous les membres du nouveau staff technique des Léopards à Prime. Au centre de cet échange, dirigé par le patron de l'administration de l'institution fêtière du football congolais, la présentation de la nouvelle vision de la FECOFA via la direction technique nationale sur le fonctionnement du nouveau staff technique des Léopards A' engagé aux éliminatoires Algérie 2023.